Salutations à toutes et à tous et bienvenue sur le chapitre 2 de Poppy Playtime. Bon, petit résumé à jeu, hein, pour ceux qui prendraient le TER en cours de route. Alors, Poppy Playtime, en gros, on incarne un salarié de l'entreprise Playtime Co, donc apparemment l'usine qui est en arrière-plan là. On a un ancien salarié. L'usine a été fermée, ça fait 10 ans. Et on a reçu une VHS avec une lettre qui venait de l'usine. Avec une note dedans, avec la VHS. Enfin, il y avait une note avec la VHS qui disait que tout le staff était mort il y a 10 ans. Enfin, tout le monde pense que le staff a disparu il y a 10 ans. Et l'usine, en fait, a été laissée à l'abandon. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Donc notre personnage prend son courage à deux mains, se rend à l'usine, se retrouve enfermé à l'intérieur et on est tombé sur, vous savez, cet affreux là, je sais pas si vous le verrez avec ma caméra. Attendez, en fait on est tombé sur un Huggy Wuggy, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc au début je me suis dit, oh la peluche elle est sympa et tout, Puis en fait on avance un peu dans l'usine. Et on est tombé nez à nez avec, mais en version bien vénère avec des dents et tout, et j'en passe. Et donc après une course-poursuite effrénée dans une zone de production, on avait réussi à faire s'effondrer une passerelle. Et on a entraîné la bestiole dans sa chute. Moi j'appelle ça une bestiole, vu la tronche du truc. Il s'est écrasé en contrebas, il a mangé une poutrelle, enfin il s'est éclaté le crâne contre une poutrelle en contrebas. Et il est tombé dans les... dans le sous-sol de l'usine. Et je pense que vu la flaque de sang qu'il y avait, le machin est mort. Hein. Est mort et enterré. Hein. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Je ne sais plus. Il y avait eu ça et on avait eu quoi d'autre aussi? Oui, on avait dans la note marqué aussi « Trouve la fleur ». On était tombé sur une zone, on aurait dit un peu comme une chambre d'enfant, avec la fameuse poupée dans une vitrine. Et la vitrine, une fois arrachée, en fait, on a réveillé la poupée et elle nous a dit « t'as ouvert ma boîte ». Et ça s'était arrêté là. Ah oui, il y avait une VHS aussi qu'on avait écoutée avant d'arriver dans la fameuse zone où il y avait la poupée. On entendait des gens hurler en arrière-plan et ils parlaient d'une expérience 1006, le prototype. Alors, je sais pas c'est quoi. Le prototype, ils parlaient du Huggy truc là ou je sais pas quoi. Enfin bref. J'espère qu'on découvrira un peu plus dans ce chapitre-là. Ah, par contre, je sais pas, c'est en anglais. On m'explique. Ah, chapitre 2. La mouche dans la toile, ok. Ah, ça bouge. Ah, qu'est-ce que ça? Il y a des fils partout. On dirait, vous savez... merde, comment que ça s'appelait? Il y avait des mains avant, vous achetiez, vous savez, vous jetiez, c'était adhésif. Ou les gosses, vous jetiez, en fait, ça collait partout. Ah, la truc. Eh. Alors, la mouche dans la toile, ok. Avec Poppy maintenant libérée, la situation commence à changer rapidement. Tandis qu'on cherche un moyen de s'échapper de l'usine. D'accord. Ça roule ma couille. Donc va falloir qu'on s'échappe. Ok. Bon on a libéré la poupée. Non, je voudrais pas... Y a pas de sous-titres? What? Ah la vache, c'est quoi? Dirait une araignée. Avec des mains. What? Qu'est-ce que c'est? Ouais. With Playtime Co's new patented elastic plastic, you can stretch, pull, and twist Mommy Longlegs in the craziest ways. She loves watching you play. What the fuck? When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's the time? Playtime! Wow. Fuck. J'ai entendu un wake up. Il y a des yeux. C'est qui? Wow. Hello? Lève-toi, ok. Je vais me lever, y a pas de problème. Chargement, ouais. Ah.
Donc ça reprend là où on en était, d'accord. D'abord, attendez, check cheese. 1, 2, 1, 2. Je teste. Ok, c'est pareil. Oh la vache, c'est vachement plus réactif par contre. Wouh. Ouais, courir, spécer, courir, machin. Attendez, je contrôle. Ouais, resume. Alors, je vous ferai les... Left mouse button to inspect, scroll to browse. Adway, to shoot between item and trophies. Ok. Donc l'inventaire est là, d'accord. Je vous ferai une traduction, vous en faites pas des sous-titres et tout. Ouais, alors à part... Alors nous, on arrivait de là. On a arraché la porte et on a sorti la poupée. Elle est passée où, au fait? Poppy! J'espère que t'es pas comme Huggy Wuggy avec plein de dents et puis que tu veux m'arracher la tête, hein. Ça a pas l'air. Hello? Poppy, t'es là? Elle est où? Ça, je me souviens, c'était pas couché, hein. C'était droit, hein. Y'a rien caché là-dessous? Non. Non, et négatif. Bah, la porte a été accouchée. Qu'est-ce que... Ça a été barricadé, ouais. Qui c'est qui a barricadé la porte, on m'explique. Y'a rien. Je guette qu'il n'y ait pas des trucs qui traînent, mais pour l'instant, je vois rien. J'espère que le chapitre là est plus long. Oh. Ouais, mais c'était barricadé, ça. Quelqu'un qui a couché la machine, ok. Oh, putain. Ok. Hello. Minamo esto fortia sapienta. Comment est-ce que... Saloperie de machin. Je le préfère comme ça. Tendant. Il est plus sympa. Ouais, ça c'est un dinosaure, ok. Pareil, on a entendu dans l'histoire, il parlait d'un... qu'il y avait un programme qui était financé par Playtime Co. avec des... Et en fait, ils avaient un programme d'orphelinat, c'était ça? Pour les orphelins, d'accord. Et je vois pas le rapport entre... Pourquoi ils faisaient ça, au fait? Bon, c'est verrouillé. B9. Fermé. Ouais. Je viens d'entendre un this way. Quelqu'un qui vient de me parler. What? Pareil, temps mort. Ah la vache. Ça c'est du sang, hein. Et... on dirait qu'il a oxydé, ouais. Putain, il y a une traînée de sang. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Waouh. Il s'est passé quoi là-bas? Tout est effondré, ok. Alors pareil, on était tombé sur des zones, il y avait des traces de sang séché. Mais j'ai une question, moi, messieurs, dames. Pour l'instant, on n'a pas vu de corps. On a du sang, mais pas de corps. Alors, il y a eu quoi? Elliot Ludwig. La porte... Enfin, c'est le grand patron, ça. D'abord. C'est fermé. Ok. Rendez-vous. Hello? Qui parle? Continue d'avancer. Oui, mais je suis gentil, mais... T'es où? T'es qui parle? Putain, je suis sûr que c'est la poupée. Attendez voir. Ah, ok, d'accord. On va attendre, on va s'entraîner un peu parce que... Je sens que ça va être une mécanique. Ah, attendez voir. Ah, wouh. Et hop là. Ah, c'est excellent, ouais. Attendez, attendez, je recommence. Ah, c'est fondard comme truc. Wouh. Ah, c'est excellent, ouais. Ah, la vache. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a encore du sang, là. Ah, la vache. C'est quoi, ça? On n'a pas une lampe torche, par contre, monseigneur. Ah, il y a encore du sang, là. Hello. Oh, t'as un grab cap. Un... C'est quoi ça? Une porte barricadée, mais de l'autre côté. Ok. Est-ce que je peux arracher les planches? Ah la vache! Y'a du sang partout, mais c'est séché. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Y'a un nounours. Et à chaque fois qu'il y a du sang, y'a des nounours. Je comprends pas. C'est quoi ça? What? Does someone need a hug? Non. Bon, y a pas les sous-titres, là. Attendez, settings. Mouse, machin, nanana. Attendez. Moi, je cherche les sous-titres.
Bloom, vignette, oui. V-Sync, oui. Vignette, oui. Pourquoi on n'a pas les sous-titres, monseigneur? Occlusion ambiante, machin, nanan, nanan, texture quality, machin. Screen pourcentage, ouais. Sharpening, brightness, résolution, machin. Putain, il n'y a pas un mode de... Il n'y a pas un... Comment un... Il n'y a pas des sous-titres? Qualité complète, oui. Il n'y aurait pas un mode... Vous savez... Je voudrais, moi, des vignettes, vous savez, pour avoir... Vignette, ça doit être ça, non? Vignette. Regardez voir. Ça sert à rien. Putain. Motion blur, bloom. Y a pas RTX. J'ai une RTX dans le PC. Alors j'ai mis en Vulkan hein, quand même. Hein. Respectons-nous, messieurs dames. Setting, contrôle, résume. Bah écoutez. Give me a big squeeze. I promise I won't bite. C'est une blague, le machin. Oh, je vais pas mordre, hein. Non, sans deck, hein. Come closer, friend. Non. Non, non. Il m'approchera pas, saloperie. I'll squeeze you until you... Ouais, until you. Oui, alors je vais te câliner jusqu'à... Oui. Ouais. Does someone need a hug? M'approche pas, saloperie. Bon, attendez, on va tracter ce qui traîne. Allez, dégage-moi ça. Ouais, on débarricade la porte. J'espère qu'il n'y a rien de spécial derrière. Vous savez, un truc un peu affectueux. What the fuck? On a une armoire électrique qui est là, ouais. Ah, putain, il y a encore du sang, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, on est dans une réserve. Attendez, je me réinstalle. Aïe. Sur mine fauteuil. Attendez voir. Ah voilà. Ça devrait être mieux. Ah. Ouais. Waouh, la gros méga clé. Donne la clé. C'est bien. Ouais. On a une clé. Attendez voir. Clé. Ouais, clé. Ouais, c'est une clé. Ah, je parie que ça va pour le bureau de Monsieur Ludwig. Attendez. On peut fermer la porte? Ouais, merci, voilà. Bon, par contre, j'ai foutu un peu le bordel. Un hug. Toi, t'auras jamais de câlin, saloperie. M'approche surtout pas. Ouais. Ouais. Il paraît que la clé va là. Squeak. Voilà. Oh, il est stylé le bureau, mon c'est. 24. Huggy saloperie. Avec des dents. Bon, alors, il y a une cassette. Ouais. À mon avis, il y a une cassette à trouver, d'accord. Ouais. Un nounours décédé. Mon meilleur ami. Ok, va te calmer le coussin. Casse-toi le coussin, merci. Merci monsieur Ludwig. Quoi ça? Pour Elliot Ludwig. Pour Elliot Ludwig. Oh, wow, le gamin il s'est super bien dessiné par contre là. Huggy ici. Alors ça c'est la version fille du comment? Du Huggy Wuggy, d'accord. Ouais, et là. Kissy, moi. Ok, et ça c'est quoi? Viens voir. Please make more good toys. Monsieur Ludwig, Huggy Wuggy. Moi, Poppy. Aïe. Help me when I'm old. What? Hire me. Ah! I work. Ah, d'accord, en fait la gamine voulait travailler à Playco, ok. Playtime Co. Encore du sang. Un nounours ensanglanté. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est?
What? Pick up Daisy. C'est qui Daisy? C'est qui? Ouais. What the fuck? C'est quoi ça? C'est quoi? Ah, j'ai un presse-papier, ok. J'ai gagné un presse... Quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Dirais un plan. Lovebug. L'insecte qui t'aime. D'accord, on a un blueprint. Il y a une gaine d'aération. Attendez voir. Ah mais non, mais arrache pas tout. Attendez. Vas-y, tire ma couille. Impeccable. On peut pas monter là-dedans? Ah. Non, c'est mort. Niette. Wow, je viens d'arracher le bordel. Oh, le dawa. Putain, je fous le bordel. Et le patron, il est où, au fait? Je me pose la question. Monsieur Ludwig, ils ont tous disparu, le patron, tout le monde. On va où, là? J'aime pas ça. Il y a un lecteur cassette et on n'a pas trouvé la cassette. Moi, je veux la cassette. Je suis sûr qu'elle est quelque part. Mais où, je ne sais pas. Elle casse. Ah bah... Poussin de merde, dégage. Voilà. Il y a quoi, là, dedans? On dirait des bouquins. Ouais. What the fuck? Expérience. Puis quoi? What the fuck? Je viens de trouver une note. Ouais. Ok. On peut zoomer? Alors. Expérience 184. Ok. Alors, cette... Non, reviens! Voilà. Note. Alors, cette expérimentation a utilisé des rats vivants, d'accord? Donc, expérience sur sujet test vivant, ok. Les rats ont été nourris 3 portions quotidiennement pendant 2 semaines, d'accord? À la fin des 2 semaines, le rat était tué et immergé dans une solution à base de coquelicots, hein? Et de gel de préservation. Yeah, pauvre bête! Une semaine plus tard, un choc électrique a été appliqué au rat. Toujours dans le gel et dans une tentative de le ressusciter, d'accord. Bah, le rat, il est mort. Bah oui, bah c'est sûr, hein. Putain, mais ils sont cons. Analyse. Ouais. Je crois toujours dans le potentiel de la fleur de coquelicot. C'est, les propriétés hors normes me font croire que la procédure... Enfin, le mélange... Et la procédure pour donner vie. C'est compliqué de traduire et de commenter en même temps. Hein. Alors, la. Comment? La propriété de la procédure et de la mixture ont des. En fait, ça altère la. Ça altère les formes de vie? Comment ça? La fleur de coquelicot. A toujours porté un symbolisme, elle a une valeur symbolique. Et je ne crois pas que c'est sans raison. Peut-être que quelque chose plus gros qu'un rat pour obtenir des résultats différents. What the fuck? On peut tourner la feuille? Comment on fait? La feuille? On peut dézoomer de la feuille? Voilà. Y a rien derrière la feuille au fait? Attendez. Fais tourner la feuille. Fais tourner. Fait tourner, la feuille. On peut pas la faire tourner? Non, apparemment, il y a que ça. D'abord, on peut pas la faire pivoter? Non, il y a que ça. Ok. Expérimentation 1-8-4. Putain, mais c'est creepy. Donc, en fait, ils se sont servis de rats pour faire des expériences sur... avec de la fleur de coquelicot et un gel pour... Et un gel. Je vois pas le rapport. Et ça, c'est... Elliot Ludwig. Il est marqué quoi? Attendez. Ouais. Ouais. Ouh. Elliot Ludwig, biographie. D'accord. Waouh. Le jeu. Cool. Reste tranquille, le jeu. Bon, on va mettre la cassette. Qu'est-ce qu'il se dit de beau? Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise.
In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. Toy Factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... What? D'accord. Donc c'était une biographie sur Ludwig, Elliot Ludwig, le patron de Playtime Co. Apparemment, il a perdu... il y a eu un décès dans sa famille. Alors oui, alors moi, écoutez, hein. Oh, il y a une cassette à lire. Moi, je pose mon cul et je m'installe. Hein. C'est bon, hein. Bon. Et apparemment, ils faisaient des expérimentations avec un gel et des fleurs de coquelicot. Alors, ils ont fait le test avec des rats. Et ils parlaient de sujets plus gros. Du genre humain. J'aime pas ça, chef. Ouais. Ouais. Whoop. Oh, sorry. I didn't mean to scare you. Salut. I was just trying to get the power back on. Salut. T'es qui? Mon, c'est la poupée. Mais tu parles? Tu veux pas me manger, hein? Non? T'as pas l'air. Elle a pas l'air de vouloir me faire la peau. Ouais. Alors attendez, j'inspecte bien le périmètre. Mais le regard. Me regarde pas. Ouais. Bah, écoute, t'es un jouet. Je pense que tu vas pas apprécier que de passer près d'un courant électrique. Hein. Attendez voir. Ouais. Il faut monter là-haut. Ah non, faut aller là. Ok. Un coup de sauce. Putain, mais... Voilà. I wanted to thank you for freeing me. De rien. I was stuck in there for so long. Thank you. I'd like to pay you back. Ah bon? Comment? There's a train station nearby. Ouais. It needs a coke and I have it. We're gonna get out of here. As soon as you get on up here. Elle est où? Elle est où? Ah, te v'là, mais... Je sais pas, t'as l'air d'être... Ouais. Non, mais... While I'm still a doll. Ouais, mais t'as l'air d'être creepy quand même, hein. On peut pas utiliser l'échelle pour monter, non? Don't you wanna come with me? Oui, mais deux minutes. Me sad. Oh, putain, mais ta gueule, la poupée. Oh, putain, elle a l'air d'être chiante. Elle a l'air d'être très chiante. Je suis sûr qu'il y a moyen de monter. Va voir la poupée. Attends. On peut pas. On peut pas prendre un truc pour monter. Mais si, tiens. Allez. Je suis sûr qu'on peut monter là-haut. Vas-y, 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 vas-y. Voilà. On va essayer de grimper. Ah, ah, ah. Et bah voilà, j'ai ma réponse. Allez, tract. Alors par contre ce truc il a toujours autant de mal. Vas-y tire. Tire la palette bordel. Putain mais c'est censé être un engin de manutention. Au final c'est de la grosse dope votre truc monseigneur hein. Mais regardez moi ça. Allez non couche pas la palette. Couche pas la palette s'il te plaît. S'il te plaît. Et voilà. Wouhou. On a béné la palette monseigneur. Je voudrais aller voir ce qu'il y a là-haut. Bon la poupée s'il te plaît. Sois gentil avec moi. Ne me tue pas. Ne me mange pas. T'as l'air d'être sympa. Mais comment elle parle? Je comprends pas. Il y a une IA dedans. C'est quoi ce délire? Ils ont créé des automates? Ah bah oui, c'est vrai. La poupée, elle pouvait parler. Ah, j'avais oublié. Ouais. Hop. Il y a quelque chose là-haut? Je dirais pas. Attendez voir. Il y a rien à rattraper? Ah, si. Ah, ah, ah. Je me suis pris un... Il y a rien là? Ah, ah. Ah, la chaise. Pas choper la chaise? Bizarre ça. Y a pas du loot là? Quelque chose? Non? RAS. Bon écoutez, on y va.
Ok, bon, meuf là, c'est bon, t'énerve pas la poupée. Hein. S'il te plaît, sois gentil avec moi. On peut se tra... Arrête de me regarder, s'il te plaît. Là, t'as une tête. Ouais, ouais, voilà. Bon, faut monter, ok. On a remis le courant. Et je croyais qu'on avait déjà remis le courant. Je comprends pas. Ouais. Hey, I'm up here. Ouais. Ne regarde pas. Ouais. Putain, elle est creepy comme fille. Hein. Elle est creepy votre poupée, monsieur. Hein. Bon, bah on va prendre notre fauteuil. Allez, voilà, ça devrait le faire normalement. Je devrais pouvoir monter. Techniquement. Ah non, on peut pas. Ah, faut sortir, d'accord. Ah, faut les deux mimines, ok. Là-bas, il n'y a rien qui était... Bah non, c'est là-bas où il y avait la remise bien chelou et bien creepy. Ok. Bon, bah, faut déverrouiller la porte. Ça roule, monseigneur. Non, alors, bon. Pardon. Ouais. Ok. Poppy, c'est toi qui chante? On dirait. Putain, Poppy, tu fous les jetons. Hein. Alors, attention. Ouais, non, alors attendez, on va éviter de faire les cons. Hein. Attendez, ah, ah. Se jeter dans le vide, d'accord. YOLO! Ah, 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 ah. Ouh, ah, merde! Ah, ah. Lâche. Mais c'est quoi qui a creusé un trou pareil? Elle est où la gamine? Pas Poppy, elle est où? C'est fermé. C'est fermé. Ah, Buzzy Bee. Ah, c'est le chat. Encore du sang. Mais qu'est-ce qui s'est... What? Et là, c'est fermé ou c'est ouvert? C'est ouvert. Ah bah là, voilà. Game Station, ok. Poppy, t'attends 2 minutes. In here, that's me, Poppy, playtime. Ah, attendez, bon. Y a-t-il quelque chose? Putain, le pauvre jouet. Ah, il a ensanglanté le jouet. Attendez. On tue tire, oui ou merde? Putain, on peut rien faire avec ça. Nini, it's me. Bon alors, Poppy, te voilà. Salut? Poppy? Listen, I'm going to need you to trust me. Oh putain! La main qu'on a vue au début. Rose. Ok. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh, sauter dans le vide? Je suis pas... L'idée de me casser une jambe, c'est pas le but, hein. Putain, faut sauter. Production. Recherche. Station de jeu. Innovation. Play quoi? Play place. What the fuck? Et écoutez, messieurs, dames, je vous laisse 2 petites secondes. Je reviens, je vais aller... faire un truc. Excusez-moi, messieurs, dames. Ah, j'ai été boire un café. Fumer un coup. Bon. Temps mort. J'ai besoin de faire le point, là. Avec vous. On est d'accord. Wow. Le jeu. Waouh. Alors, attendez. Temps mort. Je crois qu'on joue, il apprécie pas que j'ai tout mis en ultra. Attendez. Screen pourcentage. Voilà, on va mettre en médium, hein. Médium, merci, le jeu, hein. Je vais éviter que mon ordi fasse une syncope. Ah la vache, c'est un peu moche, là, par contre, hein. Attendez, je vais remettre en propre. On va mettre en DirectX. On va éviter de tuer l'ordi. J'en ai encore besoin. Ouais. Overall quality, machin. Une percentage. Et là, c'est mieux?
Non. Pourquoi il y a un grain au fait? Je voudrais enlever le grain de film. Y a possibilité ou pas? Oh, et puis merde, allez, Nick Saros, auto-adjust sitting. Voilà, allez, resume. Elle a? Elle a? Ouais, c'est pas mal. Avec un petit grain de film, ça fait un peu film, vous savez, VHS et tout. Bon, alors, on fait le point. On a sauvé Poppy, là. Ok. Elle parle et tout. Elle se déplace comme un humain. C'est quoi ce bordel? Et on est tombé sur des notes qui parlaient d'un rat qui a été... enfin, d'expérience faite sur des rats où il y avait une solution faite à base de coquelicot et d'une espèce de gel ou je sais pas quoi. Gel de préservation, je crois. C'était... Non? Attendez. La note, elle est là. Non, reviens. Voilà, alors... Un gel de préservation, ouais, c'est ça. Mais what the fuck? Et il est où le rapport entre les poupées? Putain, me dites pas qu'ils ont donné la vie aux poupées. Ok, bon, écoutez, hein. Trêve de bavardage, on saute. YOLO! Ah, 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 ah. Oh putain, on est où? On est où? On est où? Ah, ah, ah. Chef! What the fuck? On va où? Wow! 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 Ah? Salut? Elliot Ludwig. Ouais? Stella Greber. Greber. Ouais? Leif Pierre. Ouais, on avait une cassette de lui. C'est qui ça? On. Eddie! Eddie! Attendez, je suis en train d'essayer de discerner. Eddie, je sais pas quoi. Game Station, ouais. C'est quoi ça? Oh la boire! Ah non, mais moi c'est mort. Ça y est, j'ai cette. Oh, accroche! 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 Putain, mais le graph pack! J'espère qu'on aura moyen d'améliorer le moteur, hein, parce qu'il est un peu à chier votre jouet. Hein. Pas votre engin, là, monseigneur. Hein. Y'a rien là? Non, y'a rien. Moi j'inspecte. Hein. L'alimentation est par là. Encore un doudou mort. Et du neuf. What? Une flaque de sang, mais immonde. L'alimentation est par là, ok. Voilà. Je vais enlever ce putain de grain. C'est immonde. Machine blur, grain, filtre grain. Non, dégage-moi ça, voilà. Ouais, ça devrait être mieux là, je pense, non? Ouais. Pourquoi j'ai une espèce de... Ah, c'est laid. J'aime pas, attendez. J'ai un espèce de truc dégueulasse, moi, sur mon écran, là. On va passer ça en Vulcan, voilà. Frame limit, machin, nananana. La meilleure. Voilà. Et là, par contre, on va mettre... Non, bon, on est bien. Allez. On va y retourner. Ah, et bah, c'est mieux, là. C'est plus net. C'est plus propre. Merci. Ouais, ouais, ouais. Bah, il faut alimenter là, d'accord. C'est quoi ça? Attendez. Ah, ok, d'accord. Donc le pylône là, lève là, d'accord. Et là-bas, ça fait quoi? Attendez. Ok, d'accord, je vois. Donc, va falloir jouer... Les électriciens! T'as pas des soucis. Alors, on peut dévier la trajectoire du truc, d'accord, avec le tuyau. Ça roule. Il est où le pylône? Il est où? Ah, d'accord, ok. Donc, le pylône là sera à la fin, d'accord. Ça roule, mon colonel. Mon colonel, y a pas de problème! Non mais attrape, attrape. Alors, si je fais comme ça. Ah, mais oui. Voilà, bon bah on a déjà fait ça. Ensuite là, si on vient comme ça. Ouais. Bah hey, regardez. Vous faites ça, vous faites ça. On est là. Feu! Et voilà le travail. Oh. C'est normal que ça fasse des arcs électriques comme ça? Et là, il y a quoi?
Dead. Y'a rien de caché là? Du loot? Du secret? Pas du secret? What? On est où là? Ah, on est derrière le pylône, d'accord. Ok. Game station. Station de jeu. Y'a quelque chose là? D'abord. Eww. Ça déborde. Est-ce que je peux l'attraper? Non. Waouh. Une énorme flaque de sang. Waouh, 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 waouh. Ok. What, what, waouh, waouh, le jeu. Reste cool. Ouais. Y'a pas de plafond. What? Ah, ah, maman. Oh, shit. Just give you the train code to escape. Now, how is that fun? Instead, why don't we make a game out of it? The game station is still working. It will be just like old times. And if you win all three games, I'll give you the train code. Mommy loves that idea, Poppy. You're going to have so much fun. Head to musical memory and mommy will get things started. Obey the rules or I'll tear you apart. What? And eat your insides while you're still alive. Yeah. Oh putain. Oh putain. Donc voilà un moment. Le moment. Tu m'as manqué, maman. Mais what the fuck. La pauvre poupée. La pauvre paupière s'est fait kidnapper. Ah ouais, y a un moment, elle a la haine. What the fuck. Playtime. What the fuck. C'est quoi ça. C'est un chien mille pattes. Waouh. Ils étaient... Ah la vache. Ah. Playtime, ouais. Oh, il nous manque. Elle nous a arraché la main. La mimine. Où elle est? What? On est où là? Waouh. 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 Mais on est où là? Ah. Il y a encore des traces. Ah non, c'est une toile d'araignée, j'ai eu peur. What the fuck? Attendez, je fais le tour. Qu'est-ce que c'est ça? Ah la v'là! Ah. Ouais? Ouais? Bon, il est niqué votre truc, monseigneur. Y a pas de problème. On dirait une grosse aire de jeu. Une crèche géante. C'est quoi ça? I love Candy Cat. Ouais. On peut pas aller derrière là? Viens voir. Viens voir. Ah si on peut. Ouais. What the hell? Ouais. Y'a rien là-dedans? Y'a rien. Putain, puis le machin il se pliait dans. Elle se pliait dans tous les sens et tout. Elle, oui, parce qu'elle s'est. Oui, alors, Mommy. C'est Momo. Momo, elle a la haine. Momo. Bon, la daronne, elle déconne zéro, par contre. Hein. Ouais. The fuck. Oh là. Y'a rien, là. Ça sent le loot. Je sais pas pourquoi. Ça sent le secret. Y'a pas un secret? Non. Putain, ouais. J'ai l'impression que ça va être plus long que... On peut rentrer? On peut rentrer? Viens, d'abord. D'abord, on va voir. Je m'amuse. Ouais. C'est un peu triste. Une usine de jouets. Enfin, une zone de jeu sans enfants. Je sais pas.
Ça me rend triste. Mais ça me met mal à l'aise surtout. Are you my... Ah bon, ok. Tu es mon meilleur ami. Ouais. On n'a pas de lampe torche sur notre grappec. Non, on dirait pas. Je suis pas chaud là, j'ai peur. La daronne, elle nous a arraché une main. Ouais. Ça c'est quoi? I love mommy long leg. Maman à longue jambe. Ouais. Je vais l'appeler la daronne. La daronne, elle a l'air d'avoir la grave la haine par contre. Hein. What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ah! J'ai gagné un train. Pam pam palam. Là, ça met nous. J'ai gagné un train. C'est quoi ça au fait? Attendez, t'es mort. Comment que ça marche? Ouais. Ouais, ouais. J'ai gagné un train. Chouchou 10, motherfucker. Ouais. Il y a des collectables alors. Il y a des bignous à récupérer. Ok, monseigneur. Il n'y a pas de problème. Waka Wuggy. Taper un Wuggy, apparemment. Ouais, taper un Wuggy. On va frapper Wuggy. Il est mort. Je l'ai envoyé, c'est qu'à le dire, 6 pieds sous terre. Moi et Wuggy. Ouais. Donc il y avait une méga aire de jeu pour les enfants. Eh ben, je suis en train de tilter, c'est une crèche d'entreprise. Hein, vous pouviez... Ouais, attends. Ah, mais c'est gigantesque. Ouais. Elle boutonne. Hi kids, welcome to the game station. I'm Stella, and ouais. We've got three super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Ouais. Follow Mommy Longlegs down the stairs, and we'll start by playing musical memory. See you in a bit. Ok. Ah. Ah. Je suis où? Merde, je suis dans le train. Ah. 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 Help me. Help me. Ah. Je fais comment pour sortir? Help. 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 Sortez-moi de là. Ah. 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 Je peux sortir par là? Ah. 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 Je peux passer sous le train? Non, je peux pas. Au secours. Quoi c'est? Ah, et par là, on peut monter? On peut sortir? Je dirais. Ah. Non, là, c'est denied. Par là? Ah. On m'apprendra à explorer, putain. On peut remonter? Chef, au secours! Enfermé! À l'aide! À l'aide! Au secours! Au secours! Ah. À l'aide! À l'aide! La loose. Ah, on peut. Voilà. Ah non. Pourquoi il y a une main verte là? I don't understand. Ah, je peux pas me tracter là. Ah non, je peux pas, c'est dans ton cul hein. Hein, on peut pas se tracter. Ah, le mec, ça fait même pas j'ai déjà cassé le jeu moi. Non mais putain, j'ai bousillé le jeu, mon général. Ouais. Ouais. Y'a quoi, là? Y'a quoi? On peut pas passer? On peut ressortir, please? Au secours! J'étais kidnappé par un train. Oh, putain. Ah. Attendez. Ah, putain. On peut pas. Au secours! Donc elle disait fallait suivre Mommy Longleg, alors on doit aller à Waka Wuggy apparemment. What the fuck? Holy shit! Putain, mais non! Oh, fais chier. Ouais. Ouais. Je me suis fait kidnapper par le train. Je suis puni. Putain. Allez, please! 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 Pas trop loin. Oh non! Putain.
Allez, tire. J'ai ramassé mon... Au fait, ça a gardé mon collectable. Ah, c'est bon. Allez, on y va. On apprendra à faire le con. Ah, il y a des toiles d'araignée partout. Si ça fait 10 ans que ça a été abandonné, oui. Ah, c'est le train. Statue. 1, 2, 3 soleil, on dirait. Mémoire musicale. Ouais. Et frapper un Huggy. On peut pas le détriper plutôt? Un train, ouais. Ouais. Tire ça. Pas mort. Faudrait regarder. Pourquoi ça a verrouillé là-bas? I'm Stella, and we've got three super duper fun games to play. These little tests show us how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs, and we'll start by playing musical memory. See you in a bit. Non. Je dois pas la suivre. Elle m'a arraché la main, la daronne, elle a la haine. D'accord, alors faut aller à Waka Zaminamina Waka. Ah non, c'est là ou là? Musical test. Musical. Mémoire musicale. Ouais, ok. Bon, faut aller là. Je vais aller voir, ça sonne, ça fait bip bip ça ou pas? Là, on s'est fait arracher une main. The fuck? Ouais. Ouais. What? Non. Ouais. Ouais. Je crois que j'ai cassé le jouet. Non. Ouais bon, c'est bon, allez. Choo-choo. Ah, encore du sang. Mais putain, ils sont où? Alors, j'ai une question, messieurs, dames. On voit du sang partout, mais il n'y a pas de corps. C'est quoi ce... Il y a un truc qui se promène. C'est quoi ça? Let's party. Alors, let's party machin, ok. Playtime Co. Alors, les employés de Playtime Co ne sont pas autorisés à participer aux festivités durant les heures de travail. D'accord. C'est fermé. Apparemment la suite est par là, ok. Mais what the hell? Waouh. Mais what the fuck? J'aime pas ça. On va se faire arracher la tête. Je suis sûr que Guy il est pas mort. Il va nous gangbanger la face. À coup de patate. À coup de dent. Mais c'est quoi qui a creusé ce trou, putain? What the fuck? On va où là? What? Ah. Va voir. D'accord. Il y a des mains. Ah, on va se reconstruire une main. What? C'est quoi ça? Attends. Lâche. Quoi là? VHS. Et elle parle de quoi la VHS, monseigneur? Main verte tutoriel. Ouais, ok. On va se reconstruire une main alors. D'abord. Écoutez, moi je m'installe, je me mets confortable. Main verte. Ouais. Ouais. Ah, d'accord, ça stocke l'électricité, d'accord. Ça a 10 secondes d'autonomie, ok.
Oui, bah ça se dissipe au bout des 10. Ouais, c'est un AQ géant, ok. D'accord, on peut s'en servir pour alimenter des machins verts, ok. Ouais. Ah, ça alimente temporairement, d'accord. D'accord, 10 secondes aussi, d'accord. Ah, la mort de merde. Ah, il a fini écrabouillé le mec. Iu. Merci. Utilisez votre grappable de manière responsable, ouais. C'est fermé. Ouais. Safety first, ok. What? Playtime Co. n'est pas responsable. N'est pas responsable de toute blessure occasionnée sur les propriétés de la. Enfin, sur la propriété. Ouais. Faut aller regarder le règlement. Mais what the fuck? Mais c'est quoi cette compagnie de merde? Ouais. Y'a quoi là? RAS, mon colonel. Attendez, j'inspecte le périmètre. Il y a une cuve là, ok. Faire quoi? Attendez. Oh bah un bouton. Ah c'est quoi? On dirait du plastique. Ou du polystyrène. Ouais. Ça le fait fondre. Ouais. Et ensuite. Ah. Oups. On peut leur dresser ou pas? Attendez voir. Ah. Nickel. Bon, on a redressé le tuyau, donc normalement ça devrait passer là. Balance la sauce, Marcel. Ouais. Elle mimine, ok. Ok. Ouais. Oh. Ben. Ah, y'a pas de peinture. Ah, y'a pas de peinture. C'est la dèche, y'a plus de peinture. Ok. Ok. What the fuck? Ah, c'est le système qui se met en route, d'accord, ok, ok. Oh, la main goldée là. Viens voir. Oh, elle a l'air d'être goldée la mimine là. Viens, donne, ma couille. Oh putain. Viens voir la mimine là. Yes. J'ai le Mimine Awards. J'ai la Mimine Awards. Ouais, et maintenant? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Attendez voir, on va aller jeter un œil. Y'a rien qui traîne. Moi j'explore. Y'a rien par là? Non, y'a rien du tout. Évitez de me casser la gueule en bas. Je pense que la mort serait immonde. C'est quoi ça? Ah, c'est de la peinture, ok, compris. Ben, vas-y, mets dedans. On a balancé la sauce, ok. On peut aller remettre en route la bécane, ça roule. Ouais. Attends, on va avoir une main améliorée. Ça, c'est bon. Ouais, c'était là. Ah, puis on a le choix! Mais oui, j'ai le Mimine Award. D'accord. Et maintenant? Ah, bah, ok. Bah, alors, appuie. Et du coup?
Mais oui, putain. On a double mimine, ça y est, on a les mimines de réparer. Impeccable. Alors. Ouais, bah d'accord, je vois le délire. Ok. D'accord. Bon bah on a réparé. What? Ah, et puis ça descend. D'accord, ok, compris. Ne pas entrer. Oui, ça roule. Il n'y a pas de problème, monsieur l'agent. Je n'ai pas envie d'y entrer. Ouais. Voilà. La daronne. Ne me casse pas la tête. Qui fait le bruit là? Il y a un truc qui fait un sale bruit. Écoutez. En sévère, ouais. Ouais, alors j'aime bien ce qui est marqué là. Le recyclage des employés. Enfin, les habitudes de recyclage des employés ne doivent pas influencer sur la production de Playtime Co. What the fuck? Qu'est-ce que c'est qu'on entend? Oh là! Wow! C'est quoi ça? Et ça, c'est quoi? I know when your birthday is. June 28. Ah bon? It's a wish. Non. Happy birthday. Ah bon? Oh happy birthday. Oh happy happy birthday. Oh happy birthday. Happy birthday to you. I know when your birthday is. June 28. Ouais non. Oh putain. Je suis en train de voir, messieurs dames, que je vais être à court de temps pour cet épisode. Je vais vous laisser, hein. Ok. Donc, bon, ben, résumé de la situation. On a sauvé la poupée. La poupée s'est fait kidnapper par la daronne. La daronne n'a qu'une envie, apparemment, c'est de nous bouffer les tripes pendant qu'on est vivant. C'est ce qu'elle disait, hein, mot pour mot, ce qu'elle a dit. Je sais pas, on a l'impression qu'on va rentrer, vous savez, dans X-Men, la salle du cérébro ou je sais pas quoi. On dirait. Yo, professeur Xavier. Parle dans votre tête. Oh putain, on est où bordel? C'est quoi cette usine de malade mentale? Bon allez, je vous dis à très bientôt hein. Allez, ciao. Bye bye.